Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. La personne à côté de moi a fait 8e de finaliste à Roland-Garros, quart de finaliste à Bercy. Il a été champion de France aussi avec son équipe du Stade Toulousain à Paris. On est à Paris, il va être incroyable. Ladies and gentlemen, Hugo Gaston, comment ça va? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Écoute, avec grand, grand plaisir. On se retrouve aujourd'hui, notamment avec la marque Adidas qui t'habille maintenant. Ouais. Il y a plein de choses à dire. On va faire une petite interview tout à l'heure. Ce sera ta tenue, notamment pour Roland-Garros. Il va se passer plein de choses. On va jouer, on va faire un tie-break, on va faire un jeu dans les carrés. On va également servir pour tenter de toucher les cibles. Est-ce que tu es prêt pour cette petite vidéo? Très prêt. Je suis plus que prêt, moi aussi. Sauf pour le service, moi, mais je suis pas sinon. Bon, allez, c'est parti, échauffement. C'est le seul point que je marquerai. Ciao, ciao. Vas-y. Ah, pardon. Elle est longue. Ça tourne. Ah! Elle à côté, hein. On commence pas à dire qu'elle est bonne. Première interview, et on va revenir un petit peu sur les deux dernières années qui ont passé. Et franchement, j'ai regardé encore en préparant cette interview. T'as tout fait. 8e de finaliste en Grand Chelem, quart de finaliste en Masters 1000, finale en tournoi contre un top 10, sélection en Coupe Davis. Comment est-ce que tu juges, toi, tes deux dernières années tennistiques? Plutôt pas mal. je suis content de ma progression. Forcément, il y a 2 ans, je ne m'attendais pas à monter aussi rapidement dans les 100, on va dire. Mais voilà, j'ai beaucoup bossé, on s'est beaucoup entraîné, bien entraîné. Donc voilà, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et puis voilà, j'espère que ça va continuer. Ouais. Il s'est passé plein de choses, tu l'as dit, tu es dans les 100. À l'heure où on tourne la vidéo, tu es 64e joueur mondial. Quel a été selon toi le palier le plus important que tu as passé? Est-ce qu'il était justement avant ces 2 années? Est-ce que, je vais parler du moment dont le plus de monde se souvient, mais est-ce que c'est ce 8e contre Tim, ce 3e tour contre Stan? Comment est-ce que tu juges le palier que tu as franchi? Ouais, déjà, je pense que c'est l'évolution globale. J'ai pas brûlé les étapes, on va dire. J'ai voulu jouer avec mon équipe. On a voulu jouer les juniors jusqu'au bout. Exactement. Ce que beaucoup de juniors n'ont pas fait. Mais voilà, c'était quelque chose d'important pour faire la transition. Après, j'ai eu la chance de vite passer les tournois, le circuit ITF futur. Ouais. Pour arriver sur le circuit Challenger, qui est un circuit très compliqué aussi. Hein. Il y a de très bons joueurs. Et puis pareil, je l'ai franchi à mon niveau. Petite déception, j'aurais aimé gagner un titre. J'ai fait plusieurs finales, ouais. mais voilà, je commençais à être bien régulier sur ces tournois. Et après, j'ai eu la chance d'avoir fait ce tournoi à Bercy en fin d'année qui m'a envoyé dans les 100 parce que voilà, j'étais aux portes des 100 et l'objectif c'était d'être tableau en Australie. Et forcément, après Bercy, il n'y avait plus trop de questions à se poser par rapport à ça. Donc non, on a vraiment fait les choses au fur et à mesure, progressivement, et c'est ce qui est bien aussi. Mm-hmm. Tu as parlé de ne pas brûler les étapes. Enfin, sans vouloir dire les avoir brûlées médiatiquement parlant ou quoi, tu as eu un gros boom après le Roland avec énormément de sollicitations médiatiques. Même celle qui m'a surprise le plus, par exemple, tu t'es vu remettre un Energy Music Awards, qui est quand même une émission où tu es devant des millions de personnes, où tu repars à la conquête d'un autre public. Est-ce que, selon toi, avec le recul qu'on a maintenant, ça a été un peu trop? Ou est-ce que tu étais aussi dans ta bulle qui t'a permis aussi de te construire en tant que homme, tennisman et une certaine notoriété publique aussi?
Ouais, non, mais forcément, j'étais pas trop dans mon monde, on va dire, mais non, c'était quelque chose d'un peu à part, on va dire, et quand on nous a proposé ça, Bien sûr. on s'est direct dit oui, parce que c'est une chose et une chance sympa de pouvoir faire ça, de côtoyer d'autres personnes. Puis c'était aussi sympa à faire, même si c'était un petit peu stressant. Tu m'étonnes. Mais non, c'était quelque chose de bien. Après, c'est sûr que l'après-volant n'a pas été simple, parce que Exact. c'était la première fois où, on va dire, j'ai explosé et que forcément, médiatiquement, derrière, ça allait parler. Donc, ça a été compliqué à gérer au début, mais voilà, je suis bien entouré. On l'a plutôt bien géré. Après, c'est compliqué. Hein, voilà, quand on fait des résultats comme ça, tout le monde s'attend à ce que justement je refasse des Bah, tu huitièmes, des m'étonnes, c'est quarts, ça. toutes les semaines, mais voilà, le tennis c'est très compliqué. Donc voilà, en tout cas je l'ai très bien digéré et encore une fois j'étais très content d'avoir fait ce que j'ai fait. Si on se projette un petit peu, c'est quoi les objectifs futurs? On est à l'approche de Roland là. Quels sont ouais, les objectifs? Est-ce que tu te fixes plus des objectifs en termes de titres, de parcours dans les gros tournois, de classement? Comment est-ce que tu le vois justement ton futur proche? Ouais, déjà en Grand Chelem, c'est des tournois qui me tiennent à cœur et qui sont très importants, surtout à Roland. Voilà, j'aime jouer devant du monde, devant le public français. Donc j'aimerais faire une deuxième semaine de Grand Chelem, dans n'importe quel Grand Chelem le Bien plus sûr. rapidement possible. C'est déjà un bel objectif, hein, et je sais que j'en suis capable, c'est pour ça que je me fixe ces objectifs-là. Après, c'est d'être régulier sur mes résultats. Je sais que je suis capable de très bien jouer sur une semaine, de très bons joueurs. Voilà, c'est garder cette régularité, cette constance tout au long d'un tournoi et d'une saison. Exactement. Parce que c'est le plus dur et ce que les meilleurs font de mieux. Donc voilà. Et puis continuer à prendre un max de plaisir sur le terrain, s'éclater et puis être en forme. Ta prochaine échéance, c'est maintenant, sur le court, tie-break. Allez. Bah, comme d'habitude, hein, j'ai envie d'un petit pronostic. Comment est-ce que tu le vois, ce tie-break? Jeu libre. Oui, ah oui, jeu libre. Et c'est là où on voit, est-ce que tu es plus team 7-0, 7-1, ce qui va sans doute se produire, ou est-ce que plus… Non, non, là je dirais 7-3 ou 7-4, tu choisis. Oh, il est joueur. Oh, il est très, Ouais, très ouais, joueur. ouais. Ok, et bah, écoute, c'est parti. Rendez-vous maintenant pour le tie-break. Ah! Je m'attendais pas à ça après. J'y vois rien. Rien de rien. Double encore ou pas? Je veux t'imiter et voilà. C'est bon la balle? C'est bon. Ah. 2-3. Ah. Ça tourne à trois partout. Tu veux la trace ou c'est bon? Non, ça va, ça va. Je l'ai bien vu. Ah! Oh là là! Oh, sérieux! On avait dit 7-3 ou 7-4? Ouais! T'es bas! Tu préfères quoi? Va mettre déjà dedans! T'avais bon. Deuxième partie.
sur l'équipementier que tu as rejoint depuis le début d'année et qui nous permet d'être là aujourd'hui à Adidas. Déjà, qu'est-ce qui t'a plu pour rejoindre l'équipementier Adidas et comment est-ce que ça s'est fait? Déjà, c'est une très jolie marque, Adidas. J'ai toujours adoré cette marque, même avant d'être chez eux. Puis c'est une marque qui fait de tout. Hein. Voilà, je peux sortir en ville habillé en Adidas. Voilà, toutes les affaires à côté du tennis, on va dire, elles sont vachement bien. Donc voilà. Et puis le matériel qu'on me propose est très bien. Donc je suis très content. Et de qualité. Tu les as rejoints, tu as pu tester les différentes collections et là notamment. Tu as sur toi celle de Roland Garros de cette année, une collection un petit peu particulière qui reprend des motifs qui sont des serres d'Auteuil. On tourne juste à côté des serres d'Auteuil. Qu'est-ce qu'elle t'inspire cette collection avec justement tous ces motifs? Tu as aussi le t-shirt blanc qui est pareil. Qu'est-ce qu'elle t'inspire cette collection? Moi j'aime bien. Je pense que sur cette tennis c'est soit on aime ou soit on n'aime pas. Exactement. Logique. Mais non, moi j'aime bien, ça change un peu, c'est un peu atypique. Avec un short quand même qui est assez simple, donc voilà, et puis voilà, il y a le noir sur les chaussures qui revient avec le t-shirt, donc non, et en tout cas la matière est très confortable, elle est vachement bien, donc je me sens très bien dedans. Ouais. Exactement, j'ai pu tout à l'heure toucher, c'est franchement très agréable. Adidas qui a un profil, une ligne, un petit peu, j'allais dire éditorial, mais c'est pas de l'édito, mais qui a une ligne, c'est l'arrêt du plastique, la protection pour la nature, notamment les océans. Est-ce que c'est une cause qui, toi, t'a un petit peu inspiré quand tu les as rejoints? Est-ce que ça a fait partie des négociations? Est-ce que c'est aussi un mode de vie pour toi? Ouais, mais ça n'a pas forcément penché dans la balance. Voilà, ils m'ont fait une proposition, ça s'est passé après Bercy où tout s'est bien déroulé. On a discuté, ils m'ont proposé le projet qu'ils avaient envie de mettre en place avec moi et j'ai trouvé ça très intéressant. J'étais en fin de contrat aussi, c'est pour ça que j'ai pu changer. Donc voilà, et puis je m'entends vraiment bien avec toute l'équipe Adidas. Ils sont très compétents, donc ça annonce de très belles choses. Merveilleux. J'ai oui dire, on m'a dit juste avant l'interview que tu faisais le double à Roland, les doubles même, en 100% Adidas, c'est vrai? Ouais, c'est normalement c'est ça. Oui, bien sûr, normalement, c'est des choses. Mais normalement, ouais, je vais faire le double avec Gilles Simon. Effectivement. Qui est avec Adidas depuis très longtemps, j'étais pas encore né, je crois. Mais, et puis avec Clara Burel en double mixte, voilà, je vais pouvoir faire ces deux tableaux si j'ai une invitation parce que je ne rentre pas avec le classement. Mais voilà, donc c'est une bonne chose, c'est pas fait exprès pour être honnête, mais non, ça tombe bien que ce soit comme ça. Mais ce sera en full Adidas. Dernière question, avant de passer au petit jeu du service où on va tenter de toucher les cibles, ta tenue préférée depuis que tu es arrivé chez Adidas, t'en as eu 3, 4, 4 collections différentes, ta préférée? J'ai bien aimé au tout début, bon celle-ci est sympa aussi, hein, mais au tout début, avant l'Open d'Australie, avec un t-shirt un peu de toutes les couleurs, orange, avec un short blanc. Après, je sais qu'il y a une tenue qui a fait parler avec le short. Exactement. mais moi, mine de rien, je l'aimais quand même pas mal. Tu vois, c'était un t-shirt qui était assez simple avec un short un peu différent, mais bon, voilà. Et puis voilà, donc au final, j'en ai pas eu énormément, j'en ai eu 4. Mais ma préférée, je dirais que c'est celle du début d'année. Eh bien, écoute, voilà. Partons là-dessus. Place maintenant au jeu avec les cibles et le service. 8 balles chacun pour tenter de les toucher. Et bien sûr, celui qui la touche ou celui qui en touche le plus pourra donner un gage à l'autre. C'est parti. Jeu, service, cible. Écoute, tu penses en toucher combien? Sur 8? Ouais. Une. Une? Déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Écoute, j'espère juste en toucher plus que toi pour pas avoir de gage. C'est tout ce que c'est tout ce que je souhaite. M ou W? W. W. Je te laisse y aller. C'est parti. Ce serait bien de servir au thé, Thomas. C'est mieux que tout à l'heure déjà. Quadrillé. Tu fais le 8 d'un coup là? La dernière. Non. 4 et 4? Ouais. Ah! Ouch! Là, si elle y allait. Elle y allait, hein? Vas-y.
Mon cœur, il palpite tellement fort. Ouais, il devrait pas. Arrête. Dès que je sers le filet, il est trop haut, c'est dingue. C'est ça, bah voilà. À chaque fois. Hein. Je suis joueur. Tu veux recommencer ou je recommence? C'est toi qui choisis. Ben, on refait une charge de sort. Allez, M ou W? M. M. Bon, vas-y. C'est parti. Allez, au moins une, Thomas. Au moins une. Dommage. Vous voyez pas sa tête, il est comme ça. Oh, sérieux, Thomas? Merde. Pourtant, une. Tu la centres bien, là. Oh oui. Là, j'ai plus qu'à prier pour que tu la mettes pas, là. Mais non, mais là. Oh. Oh, si elle passe. Prenez contre le vent, c'est pas ça. Aussi. Faut le dire. Tu commences à trouver des excuses, là, c'est pas bon. Ah, mal lancé. On récupère. Ah, tu joues sans anti-vibrateur. C'est peut-être pour ça que je les mets toutes dans le filet. Je... Oh, oh, j'ai eu peur sur la dernière. Oh, c'est bien, on se quitte bons amis. C'est parfait. Moi, ça me convient très très bien. Ouais, mais moi, pas trop. Vas-y. Hey, tu sais quoi? Je te la laisse. La dernière. Tu me la laisses? Si tu la mets là. Non, non, non et non. Dernière interview, un petit peu décalée. Décalée, je m'entends, mais on va faire tu préfères. Enfin, tu préfères. Allez. Ton moment préféré, ton tournoi préféré. Roland Garros. Ok, très bien, je prends à la maison, le grand chelem. Ok. Ton meilleur moment passé sur un court? Dur, il y en a plusieurs moments. Les moments forcément sur le central contre Thiem et sur le Lenglen contre Wawrinka. Et puis à Bercy forcément, mais je garde Bercy plutôt. Cette Marseillaise? La Marseillaise en fait partie, ouais. Ouais, c'était... Et, ouais, c'était... non, c'était... sur le moment, forcément, j'avais envie de la chanter, mais je pouvais pas, j'allais servir pour le match juste après. Je me suis dit, reste concentré, encore un jeu, et puis après, tu pourras la chanter. Moment de dingue. Moment de dingue. Est-ce que, juste en dehors, tu joues Alcaraz à ce moment-là, il craque. Je m'entends, tu le fais craquer, mais il craque aussi un petit peu dans l'émotion, dans toutes ces... Et après, on a l'impression que durant la période hivernale, c'est devenu un monstre, un rock monumental. Est-ce que tu penses que face à toi, il a pu avoir un déclic? Ouais, c'est sûr. Je pense qu'elle lui a fait du mal sur le moment, forcément. Mais on voit aujourd'hui, ça lui a fait du bien au final, hein, sur le long terme. Après, quoi qu'il se passait, je savais qu'il allait très bien jouer. De là à avoir gagné un Master 1000 déjà et faire sa saison pour l'instant, pas forcément, mais je savais qu'il allait très vite monter et c'est un très bon joueur. C'est un monstre. Ton idole de jeunesse? Nadal. Ok, très bien. La personne que tu rêves d'affronter? Nadal aussi. Okay. Parce qu'il y en a tellement, ils ont peur de les affronter, ouais, ils veulent pas forcément. Moi, non, j'aimerais bien avoir. Et ben voilà, au troisième tour. Parce que premier, non, mais troisième tour, ça se prend, non? Même au premier, en vrai. Moi, si je le joue, ça sera. Forcément, après, je rentre sur le terrain pour gagner. Tu sais que là, si au tableau ça tombe, cette interview est mémorable, du coup. C'est incroyable. Non, j'espère le jouer. Ouais. Ton cours préféré? Le Châtrier. Ok, c'est bien. Ce qui est bien, c'est qu'on tourne, mais on est pile en face du Châtrier. C'est énorme. Je vais demander à Shena de faire un plan. Regardez par rapport où on est du Châtrier. Ta surface préférée? La terre battue. Ok. Terre battue, parce que j'ai grandi sur cette surface. Mais après, j'aime aussi jouer sur dur quand même. Ok, très bien, je prends. Dernière question. Ta victoire préférée? Au niveau de l'importance ou là où j'ai pris au niveau de celle que tu veux. En général. Il y en a un. Le 6-0 contre Wawrinka. Ouais, il y a celle. En sortir une, c'est compliqué.
Mais ouais, ça en fait partie. Ok. Celles où tu m'as le plus impressionné, c'est contre Anderson, premier tour. Tu t'en sors en revenant de si loin et. Ouais, c'est pas ça. Mais après, c'est forcément, le prestige, exactement. Mais le prestige et tout ça. Ok. Écoute, place maintenant au jeu dans les carrés. Ça va être compliqué pour toi. Comme je te l'ai dit en off, j'ai été champion du monde en 92 de jeu dans les carrés. Mais voilà. Djoko, plus posé sur le filet, dis-moi. Non, plus Djoko. Moi. Plus Djoko, eh ben tu sais quoi, Djoko en 5 points. C'est parti. Djoko en 5 points. 5, c'est mieux. C'est parti. Oh, c'est triche ça. Ouais, c'est ça que je te demande si tu veux quoi. Et en plus, je suis pas bon. 2-0. Je suis trop gentil, c'est dingue. Bien. Ah. Bambi sur glace. Bambi sur glace. J'engage un peu. 3-1. 3. Je prends une fessée. 4-1. T'es plus fort. Après en 92, il y avait moins de monde. Hein. Il est beaucoup plus fort. Il n'y a même pas photo. C'est surtout, il est plus fort. Un grand merci de m'avoir accompagné pour un entraînement sur le court. Franchement, c'était incroyable de pouvoir discuter avec toi, que ce soit de cette marque Adidas qui t'équipe, qui te chausse, qui t'habille. Et franchement, ils font des très, très belles choses. Et donc, tu vas t'habiller comme ça à Roland-Garros. On va te suivre, bien entendu. Vous pouvez bien sûr aller le suivre sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner, bien évidemment. Il y aura du contenu également sur Instagram. Donc, si vous y allez, vous pouvez y aller sans aucun problème. Vous allez suivre, vous allez vous abonner. Moi, il ne me reste plus qu'à te remercier encore une fois. Merci à toi. Ça a été un pur plaisir. Je vous embrasse. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao. Bye.